Bonjour! C'est quoi tous ces bonbons? Vous ne pouvez pas les emmener avec vous. Cette règle est trop pénible. À la poubelle! Et je n'ai pas d'autre choix. Bon, tant pis. Je n'ai pas envie de jeter mes trucs. Mes collants! Ça peut fonctionner! Excusez-moi, juste un instant. Je ne vais pas jeter ma nourriture. J'ai juste besoin de scotch double face. Je vais coller le bonbon dessus, à un endroit stratégique, bien sûr. Pas mal, ce look! Vous ne trouvez pas? Attendez un instant. Je n'ai rien, vous voyez? Je ne vois pas de bonbons. Ha! C'est collant! Hein? Trop joli! Oh, merci! Entrez! Vous êtes trop stylé! Qu'est-ce que j'ai raté? Vous avez faim? Parce que j'ai tout ce qu'il faut! Ça vous impressionne? Il suffit d'avoir un peu d'imagination! Vous en voulez un? Oh, ces chaussures sont trop belles! Ah! On s'endort vraiment en cours d'SVT. Comme si j'avais besoin de savoir tout ça. C'est bientôt l'heure de manger? Je prendrai bien un petit goûter. Et une petite dose de sucre? Oui! Hé! Hey, tu ne sais pas lire? Pas dans ma classe! Ah, oh, c'est trop injuste! Je suis sûre que tu pourrais les cacher. Les boucles d'oreilles, c'est la solution! Naomi, donne-moi tes boucles d'oreilles et les nounours! Oui, on va transformer ces bonbons en accessoires de mode! Restez tranquilles, les petits gars! Mets en autant que tu veux! Et en deux temps, trois mouvements, les boucles d'oreilles sont prêtes! Elles sont plutôt jolies, non? Bon appétit! Merci! Je n'ai presque pas envie de les manger. J'ai dit presque! C'est super bon! On va d'abord faire un essai. C'était quoi, ça? Bon, j'en étais où? Hé! Hey, je peux en goûter un? Et le... Qu'est-ce que tu manges, Naomi? C'est un zombie? J'ai envie de savoir. Bonjour, une place s'il vous plaît? Voyons voir. Très bien. Vous n'avez pas de nourriture sur vous? Si? Non. Je vais pouvoir en juger. Oh, c'est un gros non! Avec moi, rien ne passe, jeune fille. Ah, super, merci. Quelle infecte! Mais elle n'a pas un grand sens de l'observation. Qui eût cru que les sacs à main pouvaient être si bons? Ces vidéos sont trop drôles! Salut, ça va? Oups! Mon café! Excusez-moi, j'ai besoin de vous! Désolée, vous pourriez nettoyer ça, s'il vous plaît? Nettoyer? D'accord. Je vais l'étaler avec ma chaussure, ça devrait le faire. Voilà, j'ai fini mon travail. Ah bon? Qui est là? C'est ma copine! Oui, regarde ce que je t'ai apporté! Enlève cette serpillère de ma figure! Allez, c'est pas une serpillère, ce sont des bonbons! Waouh, trop bien! Tu es super maligne! C'est délicieux! J'ai presque fini de préparer les vitamines. Oh, il me manque quelque chose. C'est le moment d'agir comme un ninja. Tu veux des vitamines? Ce sont des fausses!
J'ai juste fait fondre des bonbons en gélatine. J'ai ensuite versé le liquide dans des blisters vides. Attention à ne pas en mettre à côté. Une fois rempli, il ne restait qu'à mettre une feuille d'aluminium. Parfait. On ne voit pas la différence avec des vrais. Il ne me reste qu'à faire un petit tour de passe-passe. Excellent. Mission terminée. Où en étais-je? Je crois que c'est bon. Bonjour, j'ai quelque chose pour vous. Quoi? Encore des vitamines? Allez, ça vous fera du bien. Voilà, prenez. Est-ce qu'elles ont mauvais goût? Ce n'est pas le plus important. C'est bon pour la santé. D'accord. Oh! Oh, c'est délicieux! Je peux en avoir d'autres? Ok, vous allez vite être remise sur pied. Carrément! Oh, vous êtes les meilleures sucreries! Oh non, elle vérifie qu'on n'a pas de bonbons! Je crois qu'elle a une sorte de baguette magique pour trouver la nourriture! Non, pas les sucreries! Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas abandonner mes chéries! Il faut que je les cache à un endroit où elle ne les trouvera pas! Ça rentre peut-être dans mes chaussures? Bon, je vais juste tout mettre sous mon t-shirt. Oh, aucun de mes plans ne fonctionne! Oh, ces livres sont tellement lourds! Non! Ma map monde! Elle est cassée! Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ne bouge pas! Map monde, je reviens! Hé! Mais la map monde est la solution! Ok, ma petite planète! Tu viens avec moi! Bonjour madame, je suis prête pour aller en cours! Avant ça, il faut que je vérifie que tu n'as pas de nourriture. Oh, j'espère que mon plan va marcher. Bon, on dirait que tu n'as rien. C'est bon, tu peux entrer. Et bonne idée d'avoir amené la map monde. C'est bon, la prof me tourne le dos. Je peux ouvrir la map monde et prendre un petit goûter. Et il faut juste que je la referme après. Ouais, j'adore cette barre-là. Tu sais ce qu'il manque à ce cours? Un goûter. Elle ne me regarde pas. C'est le moment ou jamais. C'est quoi ce grincement? Oh non, non, non! Oui, j'ai du chocolat. Quoi? Tu as enfreint les règles. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire ça. Donne-moi ça. Je vais prendre une craie. Burk, elle doit détester les bonbons. Attends, qu'est-ce que tu fais? Elle mange de la craie? Oh, tu es surprise? Je vais te montrer un secret. J'ai pris des bâtonnets au chocolat. Et j'ai embroché des chamallows dessus. On peut en mettre plusieurs par bâtonnet. Et voilà, 4 chamallows et je les mets dans la boîte. On ne voit vraiment pas la différence. Tiens, tu en veux? Dis donc, merci beaucoup, c'est super intelligent. Oh non, mince! Cette craie arrive à sa fin! Oh, il m'en faut une nouvelle! Oh là là! C'était la dernière! Comment je vais faire? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu as des craies? Ça ne pouvait pas mieux tomber! Quoi? Oh, oh non! C'est ma craie! Vite, il faut que je mange tout! Oh là là! Elle doit être affamée! Je vais la sauver! Tiens, tu peux reprendre ton chocolat. Parfait! On va faire bouger ses jambes et faire monter ce rythme cardiaque. Vous êtes au top! Allez, on garde ce rythme cardiaque élevé. Plus que 30 minutes. Vous voulez voir des résultats, non? Oh, il ne remarquera pas que j'ai arrêté. Lily? Qu'est-ce qu'on a déjà dit sur les cours de sport? Bon, en fait, il a remarqué. Tu pourras le récupérer plus tard. Mais pour l'instant, on affine cette taille. Il vaut mieux que je fasse vite. Heureusement que j'en ai pris d'autres. Je sens que ça brûle. Et qu'une bulle arrive. C'est juste mon ballon d'exercice, vous voyez? Je trouve que tu tiens quelque chose, là. Bonne idée, Lily! Et 1, 2, 3, wouhou! Allez, la défense! Allez! Prenez cette balle et marquez! Allez, allez, allez! Hé! Tu veux quelques chocolats? Non! Tu n'as pas vu le panneau? La nourriture est interdite et il faut respecter les règles!
Ils vont marquer! Qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Waouh! Je suis fichue! Qui mange autant de chocolat? Je vous en prie, n'appelez pas mes parents! Oh oh! Je vois des étoiles! Mais je vois aussi une idée géniale! Oh ouais! Je reviens! Prends une balle de basket et entaille-la avec un cutter. Tu vois tout cet espace libre? On va le remplir. Et il y a assez de place pour faire entrer beaucoup de choses. Oh! J'ai pris ma balle, vous voyez? Eh, tu te sens mieux? Quoi? C'est incroyable! Mes préférés! Ce match est bien plus amusant à regarder avec ça. Mmh. Oh oh! Cache tout! Je regarde juste le match, coach. D'accord. Faute! Arrêtez-vous! J'y suis! Mademoiselle? Oh. Vous ne savez pas qui je suis? Stop! Moi? Vous avez de la nourriture sur vous. Personne ne me dit ce que je dois faire. Vous me reconnaissez maintenant? Et alors? Moi aussi, je suis sur le mur. Alors, vous avez de la nourriture sur vous ou pas? Levez les bras. Voyons voir. Ça me paraît bien. C'est moi le boss ici. Wouhou! Oh, bref. J'ai cru que ça ne passerait jamais. J'ai plus besoin de ce truc. Hein? Une minute. Ce n'était pas la vraie chanteuse? Ah! Mon parfum préféré! Oh! Je suis trop forte! Oh. Ah! Oh, comment je vais passer avec ça? Je n'ai pas assez de poches! Je ne passerai jamais la sécurité! Non, je vais me faire griller à coup sûr! Ah! À moins que... J'avais oublié ces poches! Phew! Stop! Pas de nourriture? Voyons voir! Qu'est-ce que c'est? Bruyant, ces sous-vêtements! Ça va! Vous êtes contente? Vous m'avez eu! Oh! Comment je vais faire maintenant? Hé, hey, c'est peut-être ça la solution! Prends deux bols de taille moyenne et remplis-les de bonbons. Mets-les ensuite sous ton pantalon. Stop! Voyons ce que vous cachez. Rien du tout. Merci! Waouh! C'est le genre de truc qu'on n'oublie pas. Wouhou! J'ai réussi! Je m'en sors bien, n'est-ce pas? Hein? Oh mon Dieu! Waouh! Allez! Salut! Un petit chocolat, les filles! C'est la meilleure soirée de tous les temps! Ouf! J'ai toujours super soif avant de prendre un vol. Cet enfant n'a pas de parents? Votre attention! Aucune nourriture ou boisson n'est autorisée dans l'avion! Je confisquerai tout ce qui enfreint ces règles! Waouh! Je viens juste d'ouvrir ma bouteille! Oh! Oh, je veux ma maman! Oh! Oh! Hé, regarde ce ballon! C'est amusant, non? Hé, un ballon! Mais oui! J'ai une idée! Hé, petit, tu veux jouer à la balle?
Bien joué! Je préfère ça aux pleurs. Je vais la chercher. C'est le moment. J'ai juste besoin d'un de ces ballons. Voilà, je vais devoir le détacher. Waouh, ça fait beaucoup d'hélium. Ok, il est temps de mettre mon plan en exécution. Je dois juste faire très attention quand je verse. Regardez-moi ça, ça marche. Le coca remplit totalement le ballon. C'est bon, maintenant il faut le nouer pour ne pas que ça se renverse. Maintenant, passons à la partie suivante. Waouh, j'ai pris 4 tailles d'un coup. Ça fait bizarre, mais c'est drôle. Je pense qu'il est temps d'y aller. Oh, où est passée la gentille dame? Oh, c'est pas juste. Pas mauvais. Bonjour, voici mon passeport et mon billet. Oui, tout est en ordre. Allez-y. Waouh, ils sont énormes. Excusez-moi, c'est mon siège. Phew. Et voilà, le siège côté hublot. Et maintenant, il est temps de boire un petit coup. C'est trop bon. Je suis un vrai génie. Et arrêtez-vous là. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées à partir d'ici. Mais ma copine a besoin de ses petits encas! Lisez les panneaux. Oh, les gens essayent toujours d'enfreindre les règles. Qu'est-ce que je suis censée faire avec toute cette nourriture maintenant? Je sais, je vais les faire passer en cachette. Haha, le trench à nourriture! Une diversion classique. Bon, maintenant je dois juste paraître détendue et passer comme si de rien n'était. Excusez-moi. Bonjour, je viens rendre visite à mon ami. Très bien, entrez. Tant que vous n'avez pas de nourriture. Oh non, les bonbons! De la nourriture, je savais que je ne pouvais pas vous faire confiance. Pas avec ce manteau douteux. Dehors, vous connaissez les règles. Je vous jure, c'est tous les jours pareil avec ces personnes-là. Il faut juste que je marche sur la pointe des pieds, aussi silencieusement que possible. Je ne vois pas d'autres personnes de la sécurité. Et le médecin est endormi à son poste. Génial! On dirait que la voie est libre. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une alarme sur la porte! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'alarme s'est déclenchée? Personne ne m'avait dit qu'il y aurait tellement de travail administratif une fois médecin. Bonjour, je viens rendre visite à mon ami. Waouh, vous êtes vraiment gâtée. Passez. Merci beaucoup. Oh, regardez-moi. Qu'importe. Phew, j'ai enfin réussi à entrer. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as manqué! Waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es géante? Attends un peu, regarde ça! J'ai rembourré mon soutien-gorge avec des bonbons! Oh mon Dieu, pas possible! Donne-moi ça! D'accord, tiens! Et ne t'inquiète pas, en dehors de l'hôpital, il y en a plein d'autres! J'ai même amené un sachet entier de chips! La meilleure. Ces encas m'ont tellement manqué. Merci. Pas de problème. Je dois y aller. Mais je reviendrai plus tard. Encore merci pour la nourriture. Allez, c'est reparti pour une journée de travail. Je ne dois laisser passer aucune sucrerie. Je prends mon job très au sérieux. Montre-moi ton ticket. Profite bien du film. Voilà mon ticket. Merci. Hé, attends une seconde. Il y a un problème? Ce sont des bonbons? Certainement pas, mademoiselle. Aucune sucrerie dans la salle. Au revoir. Cette règle est ridicule. Ciao. Je viens voir le film. Mais regarde par là. C'est le moment de me changer. Oh, c'est pas mal. Je suis à croquer. Ces guimauves font un super accessoire. Waouh, incroyable.
Coucou, je suis de retour et cette fois, j'ai pas de bonbons. C'est moi qui vais en décider. Voyons voir. Qu'est-ce que... Salut, mec. Des bonbons. Va-t'en d'ici. Quoi? C'est une blague? Je vais pas m'arrêter là. Allez, viens. Oh, j'étais certaine que ça marcherait. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Attendez, je crois que j'ai une idée. Je pourrais me servir de mon bandeau. Ça pourrait marcher. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Ouais, ça va le faire. Rebonjour. Halt! Où sont les bonbons? Tu sais que je vais les trouver, pas vrai? Pas de bonbons cette fois, promis. Je n'oserais pas. Ah oui, vraiment? Fais voir. D'accord. Je ne vois rien du tout. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, tout a l'air en ordre. Tu peux entrer. C'est vrai? Je veux dire, merci. Je ferais mieux d'y aller. Waouh! J'en reviens pas que ça ait marché. La voie est libre. Tout ce que j'aime. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rien vu. C'est bon! C'est pas ce que tu crois. J'attrape juste mes bonbons. Tiens, c'est pour toi. Quoi? Oh, génial! C'est sympa! Merci! Il faut toujours avoir un truc à grignoter devant un film. Ouais, si t'as de la chance avec l'agent de sécurité. Mais heureusement, je suis plus maligne que lui. Très bien, qui est le suivant? Voilà nos cartes d'embarquement. Tout a l'air en ordre, mais voyons voir juste ça. Très bien, vous pouvez passer. Je vous souhaite un bon vol. Waouh, regarde là! Bonjour les garçons. J'espère que ça ne vous gêne pas que je passe, mais j'ai un vol à prendre. Voilà ma carte d'embarquement. Quoi? Tu te moques de moi, là? Ne la regarde pas! C'est moi que tu devrais regarder! Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolée! Je ne voulais pas vous toucher! Ah, pardon! Eh, c'est un peu bizarre, non? Oh non! Je crois que j'ai perdu la moitié de mes fesses! Ah, j'espère que personne n'a rien vu! Je vais juste m'asseoir ici tranquillement. Waouh, regarde là! Ils sont vrais! Bonjour, j'espère que ce siège est libre. Qu'est-ce que vous faites dans ce coin? Je prends juste un petit goûter. Vous voulez des bonbons? Oh là là, vous n'allez pas le croire. J'ai aussi caché un bol de bonbons pour en avoir dans l'avion. C'est incroyable! Les grands esprits se rencontrent. J'ai cru que je savais si bien faire les ongles. La gardienne! Allez, c'est l'heure de l'inspection, mesdames! Qu'est-ce qui m'attend ici aujourd'hui? Je n'ai rien! Je n'ai rien! Je ne fais pas du tout confiance! Je le savais! Tu n'as rien? Alors, c'est quoi tout ça? Salut les cachettes à bonbons! Je ne suis pas née de la dernière pluie, ma chérie! C'est vraiment de la mayonnaise qu'il y a là? Bien sûr! Bon, très bien! Plus de bonbons! Je ne serai pas aussi sympa la prochaine fois! Je reviendrai demain! Phew! Ce n'est pas la meilleure des gardiennes! Elle a vraiment cru que c'était de la mayonnaise! Tada! Le paradis des bonbons est là! Qu'est-ce que je ferais sans vous? À ma santé! Quel délice! Je suis un génie, moi! C'était une super idée de sortir en boîte. J'ai déjà perdu tout mon rouge à lèvres. Heureusement que je ne suis pas venue les mains vides. On ne sait jamais quand on va avoir besoin d'en remettre. Salut, toi! Tout lisse. Ça me fait penser à un truc. Moi aussi, j'ai du maquillage. Tu vois? Mais le mien a un effet un peu différent. J'ai failli oublier. C'est trop bon! Tu n'es pas censée manger ça, Naomi. Détends-toi! C'est un bonbon, tu vois?
Mais non, c'est incroyable. Cette fille pense qu'elle est maligne. Salut, la fille aux bonbons. Je ne te dérange pas. C'est mon rouge à lèvres. Ne regarde pas de trop près. La couleur est bien rouge. La texture est crémeuse. Mais je ne suis pas assez proche. Très intéressant. Il faut que je voie les molécules. Ce DJ est trop bizarre. Bon, ça va. Merci. Pas très futé, hein? Vas-y, goûte. C'est vraiment bon. Ce médecin m'aime 1000 ans. Quelle journée. Ils sont tous là pour moi. Docteur! Qui est le suivant? Choisissez-moi, s'il vous plaît! Je vais choisir... Oh, je savais que j'avais laissé ma bouteille d'eau quelque part. Il ne faut pas oublier de s'hydrater. C'est à n'y rien comprendre. C'est à qui le tour? Ça vous dérange si je passe avant vous? J'apprécierais beaucoup. Oh, oh! Bien sûr, ne t'inquiète pas. Vas-y. La pauvre. Ah, ça marche à chaque fois. Salut, docteur. Oh, bonjour. Je me suis permise d'entrer. Ça ne vous dérange pas? Je suis venue vous aider. Vous allez comprendre dans une seconde. Les apparences sont parfois trompeuses. Je me suis dit que vous deviez avoir faim. Il y a de bonnes choses là-haut aussi. Tenez, ça va vous faire du bien. Je me souviens mieux pourquoi j'ai choisi la médecine. Et voilà, tu vois, ce n'est que moi. Merci, ma belle. En plus, je viens de faire du café. J'adore les lundis. Oh, c'est vraiment dur de garder la forme. Elles n'y mettent vraiment pas beaucoup d'huileur. Oh, un message. Je dois répondre. Vous deux, continuez de faire cet exercice. C'est bon, je crois qu'il est parti. Ce qui signifie que c'est l'heure du goûter. J'ai tellement faim. J'ai hâte de manger ce Snickers. Oui, il est si bon. C'est le meilleur goûter de tous les temps. Waouh, elle a l'air d'être affamée. Oh non, il revient dans la salle de sport. Vite, fais comme si on n'avait pas arrêté le sport. Qu'est-ce qu'elle a sur le visage? Oh, impossible. Faute! Arrêtez, arrêtez tout de suite ce que vous faites. Bon, voyons voir où est la nourriture. Ah ah! Toi, donne-moi ce chocolat. Tu connais les règles. On ne peut rien me cacher. Maintenant, à ton tour. Bon, tu as bien suivi les règles. Je te félicite. Mais je garde quand même un œil sur vous deux. Hé, ne t'inquiète pas pour ton Snickers. Regarde mon t-shirt. Ce n'est pas un simple motif. Il y a de vrais bonbons dessus. Waouh, t'es vraiment très forte pour cacher de la nourriture. Je sais, c'est pas mal, hein? Bonjour, voici mon passeport. C'est bon, mais je vais vous observer de plus près. Je vais juste vous passer au crible de mon détecteur de nourriture. Donnez-moi ça. Le détecteur ne se trompe jamais. C'est bien ce que je pensais. On essaye de faire passer de la nourriture à la douane. Je vais continuer l'analyse, d'accord? Mais je voulais vraiment manger cette sucette plus tard. Dommage, je vais devoir la confisquer. Et je vais aussi vous prendre toutes ces sucreries. Même le chewing-gum que j'ai dans la bouche? Bon, prenez-le. Je vous rends votre passeport. Passez une bonne fin de journée. Bonjour, voici mon passeport. Oh, regardez-moi ça. Vous êtes rayonnante. Bon, je ne voudrais pas vous garder debout trop longtemps. Allez-y. Je vais juste m'asseoir sur un de ces sièges. Personne ne regarde? Non? Parfait. C'est le moment de dévoiler mon bébé. Mon bébé sucré. C'est
C'était vraiment une super idée de remplir ce ballon de plage avec du soda. Je peux prendre une gorgée dès que j'ai soif et personne ne le saura jamais. Joli ballon de plage. Oui, je suppose. Non, vraiment, c'est très malin. Regardez ce que j'ai fait. J'ai caché ma boisson dans mon chat en peluche. Il ressemble à un jouet classique, mais il est rempli de soda. Oh mon Dieu! Ça, c'est incroyable! Super ingénieux! Santé! Salut! Je suis venue faire la fête! Hé! Nourriture et boisson interdites! Ah! Mais je n'ai rien sur moi! Votre chewing-gum, il compte! Crachez-le! Je peux y aller maintenant? Pas si vite! Je vais te scanner! Je sais pas... Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, je sais! Tes cheveux! Oh non, 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 non! J'en ai pas fini avec toi. Attends-moi ici. Avec ça, tu ne peux rien me cacher. C'est bon, j'ai fini. Tu peux y aller maintenant. C'est pas trop tôt? Waouh! La musique est super! Et bien sûr, j'ai mes bonbons secrets! Des Starbursts! Ils sont faciles à transformer! Alors je les ai posés sur des faux ongles! Une fois qu'ils ont eu la bonne forme, j'ai mis les ongles! Et voilà! Une manucure de bonbons! Un bonbon au bout de chaque doigt! Et sur mon pouce aussi, bien sûr! Ma manucure terminée, je suis allée en boîte! Et maintenant, je peux me régaler! Mais elle vient de manger son ongle! Quoi? C'est dégoûtant! Allez, on se tire! Une seconde! Fais-toi! C'est bon, allez-y! Suivant! Où est-ce que tu crois aller comme ça? Pas de nourriture à l'intérieur! Oh, s'il vous plaît! Comment je fais? La piscine ou les chips? Top! Je m'en vais! Waouh! C'est quoi son problème? Je ne vais jamais réussir à entrer avec tout ça. Je peux peut-être user de mes charmes. Ou bien utiliser cette bouée gonflable. Ça pourrait marcher! Retournez la bouée gonflable. Puis munissez-vous de scotch et de vos encas préférés. Scotchez-les sur le dos de la bouée. Plutôt cool, vous ne trouvez pas? Ayons l'air naturel. Il n'y verra que du feu. Halte, mademoiselle! Je dois vérifier que vous n'avez pas de nourriture. J'espère que ça va marcher. S'il y a de la nourriture, je la trouverai. Oh non! Il va tout découvrir! Non, ça ne passe pas. Cette épingle reste ici. Oh, ça? D'accord. Regardez, un hamburger. Je suis furieux. Ce n'est qu'une épingle. Il n'empêche, ça reste de la nourriture. Maintenant, vous pouvez y aller. Waouh, il prend son travail au sérieux. Elle est partie. C'est trop mignon, je vais la garder. Phew, j'ai réussi. Une journée piscine et un bon goûter. Par quoi je commence? Miam, c'est bien mérité. Oh non, je ne veux pas partager. Oh, j'en ai marre! J'ai encore oublié de manger ce midi! Heureusement que j'ai une cachette secrète! Est-ce que j'en mange? La dernière fois, ça m'a attiré des ennuis! Oui, tu es virée! Tu n'es toujours pas habillée! Elle ne voit pas le sachet, n'est-ce pas? Hein? Quoi? C'est maintenant ou jamais! Mon micro! Je vais simplement les cacher dedans. C'est un peu complexe, mais je crois que j'ai réussi. Quand on rabat le micro, on ne les voit même pas. Waouh! Je vous aime tous tellement! Oh! C'est le moment d'une attaque éclair de bonbons! Un me suffira. Je ferai mieux de me remettre à chanter. Arrêtez-vous là.
La nourriture et les boissons sont interdites. Vous ne pouvez pas les prendre. Si! J'ai dit non! Si c'est comme ça, je vais tous les manger tout de suite! Vous voyez? Je les mange tous! Oh non! C'est une façon de faire! Je ne peux pas manger tout ce que j'ai! À moins que... C'est qui ça? Je crois que c'est cette chanteuse connue! Vous voyez de qui je parle, non? Quoi de neuf, mon pote? Je ne sais pas... C'est la reine de la pop! Vous êtes obligé de la laisser entrer! Ah oui? Attendez... Vous voyez? C'est elle! C'est vrai qu'elle se ressemble! Eh ouais! Vous êtes vraiment Billy! Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre! Tranquille! Quel gros nul! Je n'arrive pas à croire que ça ait fonctionné! Je vais faire la fête toute la nuit maintenant! Pas besoin de ça! Et maintenant, le meilleur des encas! Des chips au fromage! Parfaitement salé! Il faut que je fasse ça plus souvent! Waouh! Ce défilé est génial! Ok, personne ne regarde! C'est l'heure d'un petit goûter! Où est-ce que tu as trouvé ce croissant? Je meurs de faim! Je n'ai rien mangé depuis des heures! Oh non! Je dois cacher ça! Il me manque un peu de poudre ici! Voyons voir... Peut-être celle-là? Oui, celle-là fera l'affaire. Et qu'est-ce qui se passe par là? Qu'est-ce que je vois? Des miettes? Quelqu'un a mangé par ici! Tu as amené de la nourriture! De la nourriture au milieu de mes vêtements! Quelle est cette viennoiserie répugnante? Je vais te dire ce que c'est. Une ordure! Et toi, tu caches quelque chose? Non. Bon, bien joué, j'imagine. Phew, elle est enfin partie. Heureusement parce que je meurs de faim et que j'ai besoin d'une sucrerie. Tu viens de manger du maquillage? C'est dégoûtant! Regarde, ce n'est pas du tout du maquillage. Je vais te montrer. J'ai pris un bonbon carré comme celui-là et j'en ai retiré l'emballage. Ensuite, l'étape suivante était facile. Je l'ai un peu ramolli dans mes mains. Je l'ai simplement fait rouler jusqu'à ce qu'il se ramollisse. Ensuite, quand il a pris une forme de boule, je l'ai un peu aplati. Puis, j'ai pris ma palette de maquillage et j'ai enlevé les fards. Le bonbon rentre parfaitement dans l'emplacement du maquillage. J'ai simplement tout rempli avec des bonbons. Donc, tu vois, je ne mange pas de maquillage. Goûte-en un! Oh, merci! C'est super bon! Bon, j'espère que Kevin est là. Hé, arrêtez-vous! Nourriture et boissons interdites! Je vais le savoir si vous mentez! C'est obligatoire, ça! Les règles sont les règles, vous le savez! Qu'est-ce que vous cachez dans ce sac? Ce n'est pas ce que vous pensez! Donnez-moi ça! Des bonbons? Hors de question! Ça ne passera pas avec moi! Non! Oh si! Je vais vous sauver! J'arrive, mes chéris! Ah! Avalanche de bonbons! Non! Tombez dans ma bouche! Ça fait du bien! Et maintenant, on va contrôler ta copine. Pour l'instant, c'est bon. C'est super stressant! Allez, tout est bon. Phew. Faites attention ce soir, d'accord? Là, je leur ai montré qui était le boss. C'est déprimant de commencer la soirée comme ça. Arrête, arrête! Sèche tes larmes. Regarde ma chaussure. Hein? Dans le talon, tu vois? Comment tu as eu cette idée? Tu es une génie de l'infiltration de bonbons! Regarde-moi cet arc-en-ciel de couleurs! C'est le truc le plus cool du monde! Ouf, je suis à l'heure pour le cours! Je pense
pensais que j'allais être en retard. Stop! Pas si vite! Tu n'as pas de maquillage sur toi, hein? Tu sais que c'est interdit. Non, j'ai rien. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Oh, rien! Seulement des trucs inutiles. Attends, c'est quoi ça? Je suis très déçue, Lizzie. Donne-moi ça. Mais j'ai pas envie. Bon, d'accord. Et le reste? C'est vraiment pas cool. Voilà, j'ai rien de plus. Vous avez tout. Il n'y a pas quelque chose qui est tombé? Non, j'ai rien vu. Waouh, quel caractère! J'arrive pas à croire qu'il ait pris mon maquillage. Heureusement, il n'a pas tout pris. Et cette fois, il ne trouvera rien du tout. J'ai une planque secrète dans mes chaussures. Un compartiment caché spécial maquillage. Dans le cas présent, mon baume à lèvres. J'adore ce truc. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Un petit coup sur mes lèvres et elles seront parfaites. Cette couleur est magnifique. C'est pile ce qu'il me fallait. Mouah! Bonjour tout le monde. Inspirez profondément et expirez. Maintenant, joignez vos paumes et penchez-vous en avant. On recommence. Hein? Pas encore! C'est trop gênant! Je n'arrive pas à croire que je suis en retard! Hic! C'était moins une! Je suis encore coincée! Ça devrait marcher! C'est quoi ce bruit? Il faut juste que je déroule mon matelas à cet endroit et je serai fin prête! Mais d'abord, un petit grignotage! Je l'ai mis du mauvais côté. Bras tendu, c'est ça? Les paumes vers l'intérieur. Quand est-ce qu'elle est arrivée là? Incroyable! Elle n'y a vu que du feu! C'est le moment ou jamais! Autant profiter d'être penchée au sol pour prendre un peu de ça. Vite! Juste une toute petite bouchée. Maintenant, on tend les bras. On en fait 100. Allez. Je ne pense pas être capable. Continue, Sophia. Tu veux des muscles, oui ou non? Ah non, ne pleurniche pas. Allez. C'est normal de transpirer autant. On y est presque. J'ai l'impression que je vais mourir. Bon, allez, 5 minutes. C'était dur. J'ai tellement soif. Oh, pardon. Attends, c'est une haltère? Il y a des sucettes aux extrémités. Je peux? Attends. C'est ton jour de chance. J'en ai pris 2. Tiens. C'est trop incroyable. Je pense que je vais commencer par cette extrémité. Waouh. J'en ai déjà l'eau à la bouche. C'est à la framboise. Ça arrive. Waouh. Eh oui, les filles, on continue. Je lance le chrono, les filles. C'est la façon parfaite de manger sa sucette sans être vue. Oh oui, je suis bien. C'est le meilleur des entraînements. Ces éléments sont durs à mémoriser. Ce ne sont que des abréviations. Oh, mon ventre gronde. Hé, j'avais oublié que j'ai du chocolat. Tina, posez ça. Mais j'ai trop faim. D'accord. T'inquiète, Tina. J'ai un truc qui peut nous aider. Tu aimes les bonbons? Prends des bonbons fantasy et mets du scotch double face derrière. Retire le film de protection et colle-les sur tes élastiques à cheveux. On dirait plus que ce sont des bonbons. Et comme ça, quand tu as un petit creux, plus de problème. Waouh, c'est génial. Je peux? Celui-ci est pour moi. Mademoiselle, êtes-vous en train de manger les cheveux? Mais qu'est-ce qu'elles font?
On dirait des animaux. Les jeunes sont vraiment de plus en plus bizarres. J'ai trop faim. Je n'ai jamais eu aussi faim de ma vie. Oh! Ce n'est pas tout à fait ce dont j'avais envie. Tu apprendras à les aimer, ma chérie. Je déteste le gruau. Je préfère quelque chose de sucré le matin, comme le chocolat au lait, par exemple. Maman est derrière moi, hein? C'est très mauvais pour les filles en pleine croissance. Maintenant, mange tes flocons d'avoine, Naomi. Oh, je pense pas que j'y arriverai. On dirait une sorte de colle pâteuse. Pourquoi la vie est-elle si dure avec moi? Mais peut-être que... Il est temps de passer à l'action. Prends une fausse plante en pot. Retire le pot à l'intérieur. Pose la plante comme ceci. Et prends un cutter. Découpe la moitié inférieure. Ensuite, découpe le fond d'un seau de pop-corn. Prends un pistolet à colle et colle les fleurs dessus. Tu te souviens du pot? Remplis le fond de bonbons et repose la fausse plante par-dessus. Remplis l'espace vide avec de la terre. Et tu as la cachette parfaite. Maintenant, quand ta mère regarde ailleurs, tu peux prendre ta sucrerie préférée. Il faut juste vite la manger. Pour que maman ne se rende compte de rien. Elle arrive! C'est super bon! T'as vu, maman? Je mange mon gruau. Je suis fière de toi, ma chérie. Régale-toi. Elle est encore plus naïve que je ne le pensais. Je reprends ma barre de chocolat. Ça, c'est ce que j'appelle un petit déjeuner de champion. Alors, tu as aimé ces astuces pour grignoter en cachette? Envoie cette vidéo à tes amis et régalez-vous. As-tu déjà vu ces vidéos? Pense à t'abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vais t'en mettre plein la vue. Oh, vous, les enfants, avec votre technologie, vous ne savez rien faire par vous-même. Wow, regarde le faire. Je n'ai même pas à bouger le petit doigt. Pas mal, hein? Et voilà, un joli petit zèbre. C'est incroyable! Bah, je suis de la vieille école. Je trempe la laine dans cette peinture, puis je l'étale sur une feuille de papier. Maintenant, j'ajoute de la peinture verte, une pomme délicieuse. J'y crois pas, c'est un chef-d'œuvre! Arrête, mamie, qu'est-ce que tu dis de ça? Ça suffit! Hé, arrêtez! Il n'y a qu'une seule chose à faire. Mamie, tu me fais mal! Hein? Où sommes-nous? C'est l'heure du défi! Ça va devenir artistique! Continue comme ça, Teddy! Hein? Oh, ça me donne une idée! Utilisez vos mains! Trop facile! Je vais avoir besoin d'un peu de musique! Ah, c'est mieux! J'adore cette chanson! Elle est entraînante! Regarde ses mouvements! Oh ouais! Couper, décaler! Ça m'inspire grave! Je sais ce que je vais dessiner! Je vais tracer le contour de ma main! C'est fastoche! Maintenant, j'ajoute des détails! Je vais dessiner des taches! À présent, je vais ajouter de la couleur! Je remplis en suivant les lignes! C'est assez joli! Mais je n'ai pas fini! Ce serpent est vraiment pas mal! Hé, Tina, j'ai fini! Ça ne va pas comme je veux! Hein? Liam a déjà terminé? Attends, tous ces cheveux bouclés me donnent une idée! Je sais ce que je vais dessiner! C'est parti! Je vais poser ma main comme ça, puis ajouter une queue duveteuse! Maintenant, je peux dessiner le visage! Je veux que ce soit mignon! On n'oublie pas les oreilles! Et puis les pattes! Maintenant, de la couleur! Ce jaune est idéal pour le visage! Et je vais faire les oreilles en marron!
pour la fleur, je vais prendre du rouge. Et voilà, j'ai terminé. Il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Oh, ils sont tous les deux mignons. Je suis impressionnée. C'est dur. Qu'est-ce que t'en penses, Teddy? Nous avons décidé que vous avez tous les deux gagné. Félicitations. Top là, mamie. Ouille. Où est-ce qu'elle est? Je suis sûre de la voir. Ah ah! Une rose? Ça, ça me plaît. J'ai hâte de commencer. Je dois juste prendre un truc dans mon sac. Ça devrait le faire. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Où est passée ma peinture? Elle ne se doute de rien. Chut! Je ne dirai rien. Je ne comprends pas. Je reviens tout de suite. Il doit bien y avoir quelque chose dont je peux me servir. Laisse-moi réfléchir. Regarde tous ces fruits et légumes. Ils ont l'air bien frais. Je me sers. Et celui-là, problème réglé. Très bien, essayons à nouveau. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais devoir couper le fruit du dragon. Heureusement que j'ai été à l'école des ninjas. Qu'est-ce que... Presque! Je me rapproche! Tu veux un coup de main? Je le tiens! Je savais que tu irais par la voie. Maintenant, je vais le presser. Oh, ça a l'air bon! Elle a raison, ça a l'air délicieux. Je crois que je vais goûter. C'est bon! Oh non, j'en ai mis sur ma feuille! Ça me donne une idée. Je vais faire des points sur le papier, comme ça. Ensuite, je vais faire la même chose avec de l'encre verte. Je vais continuer en utilisant différentes couleurs jusqu'à remplir la feuille. Et voilà! Maintenant, je recouvre la feuille de scotch. Je vais couper le surplus, il faut que ce soit parfait. Ensuite, je peins par-dessus le scotch. Grâce à ce rouleau, je suis sûre d'avoir une belle couche bien régulière. Je laisse sécher. Autour du céleri, je commence par couper la racine. Ça semble suffisant. Quelle jolie forme! Je vais la tremper dans le jus de fruits du dragon. Il faut que ce soit bien imbibé. Ensuite, je peux marquer l'empreinte sur ma feuille. Je répète l'opération plusieurs fois. Ça forme un très joli motif. Un peu comme une fleur. Alors, je peins une tige verte. Je suis contente du résultat. Je suis impressionnée. Mange du céleri. Berk, pas question. D'accord, je sens que tu vas pas me lâcher. Oh, qui aime ça? J'en mangerai plus jamais. Tiens, tu peux le reprendre. Génial, j'ai un truc entre les dents. Pas de panique, j'ai toujours ce qu'il faut. Je vais m'en débarrasser grâce à ce cure-dent. C'est parfait. Une seconde, je pourrais m'en servir. Je vais gratter la peinture avec le cure-dent. Ça fera apparaître les couleurs qui sont dessous. Ça contraste vraiment avec le noir. Et c'est une technique artistique amusante. J'ai presque fini. Voilà, c'est une œuvre d'art. Qu'est-ce que t'en penses, Tina? Piou, piou! Oh, t'as terminé? Je m'attendais à mieux, Liam. Je veux dire, regarde mamie, c'est vachement créatif. Mamie gagne! T'as entendu ça? J'ai gagné! Il devrait figurer dans un musée. Voici votre prochain défi. Oh, pas de problème. Attends, je crois que je sais quoi faire. Il faut que je chope un truc dans mon sac. Ce sera plus facile si je le vide sur la table. Wow, il est plein de cochonneries. Voyons voir. C'est ça que je cherchais. Heureusement que je les ai pas jetés. Pas besoin de l'emballage. Je vais me régaler. Une seconde. Ça me donne une idée. Tu vas kiffer. Que fait-il? Il y a sûrement quelque chose d'utile dans mon sac. Je garde toujours ça sur moi en cas d'urgence. On ne sait jamais quand on en aura besoin. Voyons ça de plus près. Mamie, attends, je vais t'aider. Oh, merci, mon cœur. Je ferai mieux de m'y mettre. Je vais organiser les chewing-gums en arc-en-ciel. Il manque du violet. Oh, mon chewing-gum! Non, ça va pas le faire. Ah ah, c'est parfait! Burk, qu'est-ce que ça pue? Je vais juste l'aplatir un peu et le coller en bas de l'arc-en-ciel. C'est le mieux que tu puisses faire? Qu'est-ce que je cherchais? Ah, mon sachet de pièces! J'ai une idée formidable! Je vais disposer mes feutres en arc-en-ciel, puis je vais les coller ensemble. Ensuite, je dois attendre que ça sèche.
Maintenant, il est temps de dessiner. Je vais dessiner en travers de la page, ce qui devrait faire apparaître directement un arc-en-ciel. Et c'est bien plus rapide. J'ai dessiné un autre arc-en-ciel sur une pochette en plastique. J'ai mis une feuille de papier vierge dans la pochette. Je mets mon arc-en-ciel à l'intérieur. Lorsque je retire la feuille vierge, l'arc-en-ciel apparaît. Pas mal, n'est-ce pas? C'est vraiment une idée fantastique. Regarde, Liam! Wow, c'est dingue! C'est carrément mieux que mes chewing-gums. J'ai fait de mon mieux. Oh, mon pop-it! Ça va me remonter le moral. Ou bien, je sais quoi faire. Je place des craies dans un verre, puis je les fais fondre. Il faut faire attention, c'est chaud. Maintenant, je verse le mélange dans le pop-it. Je remplis chaque bulle. Puis, je le laisse refroidir. Je le casse en morceaux. Enfin, je le glisse sur la feuille et j'ai un arc-en-ciel parfait. Je suis fan! C'est bien, hein? Je peux faire apparaître un arc-en-ciel comme par magie. Waouh! Là, tu le vois? Là, tu ne le vois plus. Moi, j'ai des craies arc-en-ciel. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que je gagne ce défi. Un peu de corruption, ça ne fait pas de mal. Oh, du chewing-gum! C'est un petit cadeau de ma part. Oh, waouh! Merci, Liam! T'es le meilleur! Liam l'emporte! Tu plaisantes? Oh, c'est pas juste! Prêt pour le prochain défi? Vous n'avez qu'à vous inspirer de ses yeux globuleux. Allez-y! Comme tu voudras, ma chérie. Aïe! J'ai mal au ventre! Oh, je reviens vite! Mamie, c'est vraiment gênant. Oh, pas de problème, mon lapin. Mamie a ce qu'il te faut. J'apprécie le geste. Ah, c'est mieux. Va vite, mon lapin. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Qu'y a-t-il d'autre là-dedans? Cette assiette pourrait m'être utile. Il me faut encore deux ou trois petites choses. Ah ah! De la peinture et des pinceaux. J'ai une excellente idée. Cette peinture jaune est éclatante. Ah, tchoum! Ah, ça va mieux. Qu'est-ce que... J'ai renversé ma peinture. Oh non, la belle affaire. Que vais-je faire maintenant? Il faut que je trouve autre chose. Une minute. Je pourrais utiliser ce rouleau de PQ. Et il va falloir que j'opère quelques modifications. Je vais commencer par faire de petites coupes le long du tube, comme ceci. Je fais le tour du tube. Maintenant, je le plonge dans la peinture. Cela permettra d'étaler la peinture. Ensuite, je peux ajouter ces morceaux de papier et un visage. C'est un poisson! Je vais le mettre juste là. Mais qu'est-ce que j'ai mangé? Peu importe, je me sens beaucoup mieux. Maintenant, je peux utiliser l'assiette. D'abord, je la peins en bleu. Ensuite, je mets de la colle sur le pourtour. Et j'y colle des pièces de carton. Je vais ajouter une trompe. Ainsi que des yeux globuleux. Quel adorable petit éléphant! J'ai l'impression de faire un safari. Hé, Tina, regarde un peu! Je suis là! Qu'est-ce que j'ai manqué? Oh! Je n'ai que moi! Pourquoi t'as fait ça? C'était horrible! Une seconde! D'où est-ce que ça vient? Je ne vais pas me plaindre. Tina, j'ai terminé! Wow! Un éléphant! Très impressionnant, mamie! Oh, un petit poisson! Mais je préfère celui de mamie. Wouhou! Oui, mon émission préférée! Qu'est-ce que... Absolument pas! Ce truc tue les cellules de ton cerveau! Et si... Voyons voir. Oh, ça c'est sympa! Quoi? Vous regardez la télé? Vous appelez ça du divertissement? Je vais m'occuper de ça. Ouais! Intéressant, hein? Ah, les choses que les enfants regardent de nos jours! Non, c'est cool! J'en ai assez de ces bêtises! De la musique classique, un point, c'est tout! Ah, non, pas moyen! Ah, ah ouais! Les amis, arrêtez, s'il vous plaît! Je n'en peux plus! Hein? Assez! C'est l'heure d'un petit défi.
Beaucoup mieux. Waouh! Nous voilà atterrés ici! Ça, c'est du divertissement. Super! Que dites-vous de ça? Ouais, pas mal. Je suis plus jeune, donc je commence. Merci, grand-mère. Voilà un épi de maïs parfait. Oh, profites-en, mon cher. Je parais qu'il est délicieusement juteux aussi. Cette feuille est de trop. On dirait que tu sais ce que tu fais. Ouais, et ça j'ose. Allez, coupe de maïs. Voyons voir. Parfait, le plus beau maïs du monde. Maintenant, on le fait chauffer. J'aime quand c'est très bien cuit. Oh oui, grillé à la perfection. Voilà. Maintenant, il reste une dernière étape importante. Des pics maïs. Tada! Et juste une touche de sucré. Pas trop non plus. Juste la quantité qu'il faut. Regarde-moi ce délice. Voyons ce qui m'attend. J'ai encore le mien à faire. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Je ne pense même pas que ce soit comestible. À moins que j'utilise ma cervelle sur ce coup-là. Les entailles répliqueront les grains de maïs. Il s'agit d'utiliser le bon modèle. Maintenant que nous avons les lignes horizontales, passons au vertical. Encore une. Il faut bien rassembler le tout. Maintenant, il faut enlever les bâtonnets. Tada! Maintenant, bien étaler l'autre pâte. Ensuite, on le met là. Et on reprend notre maïs jaune. On va placer délicatement la pâte verte ici. Et lui donner une belle forme avec les doigts. Voilà! C'est magnifique, non? On s'est bien débrouillé, non? J'adore le maïs! Suis-je plutôt d'humeur pour du sucré? Je ne déteste pas ça du tout! C'est comme avoir un dessert à la place du dîner. Mais celui-ci a l'air bien aussi. Oh, c'est bizarre tout de même. Dégueu! Non, pas pour moi. Tu as gagné, Jared. Je le savais. Peut-être la prochaine fois, grand-mère. Et maintenant, des délicieux bonbons. Oh, ça va être sympa, ça. J'adore. Des fruits roll-ups. Quoi? Ces trucs sont à tomber. Et les rouges sont mon arôme préféré. Qu'est-ce que... Voilà qui est génial. Oui, tu as l'air de bien t'amuser. Oh, allez. Oh! Je ne peux pas l'ouvrir. J'imagine que je n'arriverai jamais à les goûter. Oh, grand-mère, passe-moi ça. Je ne comprends pas. Je m'en occupe. Regarde toutes ces couleurs. Bon, bah, c'est comme ça, alors. Et maintenant, est-ce que je dois juste... Oh, voyons voir. Pourquoi ces chiffres sont-ils si petits? La connexion n'est pas terrible non plus. Quelque chose? J'ai trouvé! Bonjour! Oui? J'ai besoin d'aide. Oui, madame. On le mange, c'est tout, n'est-ce pas? Ok, merci pour votre aide. Pas de problème. Maintenant, un peu de créativité. Ça sera meilleur pour la santé. Voici un wrap végétarien parfait. C'est tellement bon, je pourrais en manger des milliers. Non, je suis officiellement en train de perdre la tête. Il en reste un. Super. Oh ouais. Haha. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Un emballage dans l'emballage. Ça va être délicieux. On dirait un petit bonbon. Oh, ça ne sent pas très bon, dis donc. De la glace. Tout le monde aime ça, non? Une grande cuillère devrait suffire.
Voilà, comme ça c'est parfait. Puis on le replie comme ceci. Rassemble les bords extérieurs. Oh, n'est-ce pas adorable? Comme un petit ravioli tout mignon. Ah. Je pense que nous avons fini. Grand-mère? Oh non! J'ai tout mangé! Ça a l'air délicieux, mais pourquoi une seule assiette? Que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Oh, allez, c'est pardonné. Au moins, j'ai une délicieuse friandise à manger. Ça a l'air bon! C'est absolument délicieux! T'as gagné cette manche, Jared! Wouhou! Je savais que ça allait être pour moi! Okidoki, continuons, d'accord? Bonne chance! Du pop-corn, hein? Oh, on dirait que le mien est prêt! Rien n'a encore éclaté par ici! Les grains sont de belle qualité, cependant... Bon, on verra bien! C'est mon goûter préféré! Un instant. Ça a l'air pas mal. Je peux améliorer tout ça. Ouais, je vais y ajouter beaucoup de goût. C'est pour cela que le sel a été créé. Attention à ne pas trop en mettre. Parfait. Ok, un peu plus. Voilà. Jared, c'est du sel. C'est si bon. Oh. Ok. Versons-le à flot, les amis! Ouais, c'est mon chef-d'œuvre culinaire! Oh, oh! Mais je sais! Personne ne cuisine comme grand-mère! Pour moi, ce sera du sucré! Il faut juste un peu de préparation. Allez, on fait chauffer! Juste un peu de mon ingrédient secret. Bien! Maintenant, le plus important... Amusez-vous bien là-dedans! J'ai failli oublier! Il nous faut un petit peu d'eau! Parfait! C'est maintenant que la magie opère! Comme ça grésille! Oh! Quel petit bruit agréable! C'est comme s'ils avaient une soirée dansante là-dedans! Et le chocolat a parfaitement fondu! Regarde-moi ça! Tout simplement délicieux! Quelle belle montagne de sel! C'est vraiment appétissant! On verra lequel elle aime le plus. On verra bien! Il va y avoir du suspense! Qu'est-ce que c'est censé être? Ok... Ouah! C'est du pur sel! Ok, ça a l'air prometteur. Bien joué, grand-mère! Oh là là! J'ai gagné! Oh. Maintenant, passons à quelque chose de plus sain. Le prochain thème sera la pomme. Cool! Allez, les dames d'abord. C'est si gentil, merci! Ok, voyons voir. Ce sont des pommes, effectivement. Un peu simple, tu ne trouves pas? Que vais-je en faire? Ok, à mon tour. Mais... Mais je ne vois pas de pomme ici. C'est mou. Bizarre. Qu'est-ce que je peux faire? Un instant, j'ai une idée. On peut échanger? Oui, pourquoi pas? Oui, oui, oui. Des pommes, rien que des pommes. Ça va être amusant. J'ai trouvé! D'abord, il faut rouler la pâte. Ouais! Oh! Voilà, on avance bien. Voilà, quelques-uns de plus. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Nous devons obtenir une boule parfaite. Tu vois? Voici la forme finale. Avec un petit trou, bien sûr. Et ensuite, un peu de couleur. Ça a le goût d'une pomme. Voilà, ça ressemble bien à des pommes maintenant. Elles sont belles, n'est-ce pas? Je reviens tout de suite.
Je vais les enfourner. Regarde comme elles gonflent bien. Elles sont prêtes. Les miennes ont l'air plus vraies que les tiennes. Regarde-les. Mais attention, elles sont chaudes. Il faut bien soigner la présentation. Voilà. De la place pour toutes. Superbe. Je crois que le temps est terminé. Wow. Oups. Voyons ce qu'elle va préférer. Ouais. Quelqu'un a déjà mordu dedans. Hey. Dégueu. Non, merci. Celle-ci, par contre... Ah, ce petit pain est prometteur. C'est divinement bon. Tu as gagné, grand-mère. Oh, ne pleure pas, s'il te plaît. C'était genre super marrant. Oh, regarde, ça commence. Bonjour et bienvenue au défi de cuisine du jour. Quel merveilleux public. J'espère que vous êtes prêts à vous éclater. Oh! Moi, je veux cet argent. Qui vais-je choisir? Le choix est difficile. Pourquoi pas... toi! Quoi? Moi? Et comment résister à cette belle demoiselle? Comment? Il est maintenant l'heure. Que le jeu commence. Oh, où il est passé? Hein? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'en sais? Ça va durer longtemps. C'est bientôt l'heure de ma sieste. Hé, comment elle peut s'endormir comme ça? Oh, le jeu est sur le point de commencer. Tant pis, c'est l'heure du premier tour. Où suis-je? Oh, je faisais un rêve merveilleux dans lequel je tricotais. Qu'y a-t-il d'aussi hilarant? Sois, je vais t'apprendre, moi. J'ai seulement besoin de quelques trucs. Qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Tu le sauras bien assez tôt. Un peu de patience. Où est-il? Ah, ma farine. Je vais en avoir besoin. Tu te balades avec ça? On ne sait jamais quand vient l'heure de faire un gâteau. Il me manque encore une chose. Allez, sors de là! Ouch! Grand-mère, ça fait mal! Navré, c'était un accident. C'est le moment de faire monter la température. Oh, c'est pas mal. Oh, j'ai failli oublier. Je vais la mettre juste ici. Qu'est-ce qui vient de se passer? Waouh! Ce n'est pas terminé. Je vais placer ce moule dans le gâteau. Il servira de barrage. Je peux alors y verser le sirop de chocolat. Je pourrais n'en faire qu'une bouchée. J'adore le chocolat. Ça devrait suffire. Ensuite, il me faut des vermicelles. Sans ça, un gâteau n'est pas assez présentable. Je vais les mettre sur le sirop de chocolat. C'est là que ça devient amusant. Je retire le moule. On dirait une avalanche de sucre. Et voilà sa robe. Je suis époustouflée. Que se passe-t-il? Pas mal pour une vieille dame, hein? Comment je vais pouvoir rivaliser avec ça? Je ferai bien de m'y mettre. Heureusement que maman m'a préparé mon déjeuner. Je pourrais avoir besoin de cette tomate. Regardez ça! Mes mains sont des lames aiguisées. Bon, où est ma seringue? Qu'est-ce que... N'approche pas! Du calme, grand-mère. Regarde, je retire l'embout. Je suis un peu perdue, mais je t'ai à l'œil. Doucement, je ne veux pas de problème. Je vais enfoncer la seringue dans le pain, puis dans les autres ingrédients, comme ça. Ça permet de découper des cercles parfaits. Maintenant, j'y insère une pique à cocktail. Il faut qu'elle traverse toutes les couches. Puis j'appuie sur le piston pour les faire sortir. Ça a l'air bon. Carrément. Oui, enfin, si on aime les petits sandwichs. Qu'est-ce que vous en dites? C'est le moment que je préfère. Je vais commencer par le gâteau. Je suis impatient de le goûter. C'est léger et moelleux. C'est stupéfiant. Merci, mon cher. Et mes sandwichs, alors? Intéressant. C'est une explosion de saveurs. Tu as gagné. Tu as entendu ça? Ouh! Allez, Liam! Oh, navré. Et on passe au deuxième tour. On avait deviné. Que vais-je faire cette fois-ci? Moi, je sais. Il faut que je passe un coup de fil. Allô, j'ai besoin de votre aide. Oh bah d'accord, une seconde, je n'appelle toujours que Liam. Super, j'apprécie beaucoup, bye. Waouh, c'était rapide. Voyons voir ce qu'il y a. Des œufs? D'accord. Je vais les faire frire. Bah, ça va croustiller un peu. Ensuite, je vais ajouter un peu d'huile. Ça va les faire griller.
Je ferai bien d'allumer la plaque. Ça sent bon. Je suis un vrai chef cuistot. Hé, doucement! Stop! Est-ce que ça va? Tout est sous contrôle. Je sais ce que je fais. Ouais, on dirait bien. Je crois que je ferais bien de m'y mettre. Peut-être que tu apprendras quelque chose. Il y a assez d'huile. Oh tiens, je pourrais m'hydrater un peu la peau. Il faut que je fasse vite avant que ce soit chaud. Qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Juste ma routine beauté quotidienne. Et je sens les frites fraîches. Il est temps de cuisiner. Je casse l'œuf dans la poêle. Puis je prends un verre. Je le mets au-dessus du jaune. Maintenant, je vais battre les blancs. Il faut qu'ils soient bien onctueux. Voilà, comme ça. C'est presque prêt. Ça devrait aller. Maintenant, je vais attendre que le jaune d'œuf cuise. Placer un couvercle dessus permet de créer de la vapeur. Ça fera gonfler le blanc d'œuf. Ça a l'air bon. Miam miam. Je peux le mettre dans une assiette. Waouh, elle est douée. Mon plat a peut-être meilleur goût qu'il en a l'air. De qui je me moque? Je suis contente de ne pas manger ça. Donnez-moi ça. Deux cuissons des œufs bien différentes. Je suis obligée de manger ça. Non, mais regardez-moi ça. Je fais de mon mieux. En revanche, ça, c'est intéressant. C'est incroyable! Vous avez gagné! Je n'en ai jamais douté! Ouais, ça me semble juste. Quelle est la suite? Oh, je sais, c'est le troisième tour! Quel personnage! Cette lumière est éblouissante. Sérieux, c'est quoi ce truc? Waouh, regardez ça! Quel joli arc-en-ciel! Waouh, c'est magique! J'adore les arc-en-ciel! Hey, qu'est-ce que tu regardes? Oh, un arc-en-ciel? Tiens, ça me donne une idée! J'ai besoin de cette pâte à crêpes et de deux ou trois autres choses. Comme ces bouteilles de colorant alimentaire, ça va être super! Je vais mélanger le colorant à la préparation. Il n'en faut pas beaucoup. Un peu devrait suffire. Maintenant, je mélange le tout. Je veux un joli vert éclatant, comme ceci. Je peux maintenant la verser sur la plaque. Cette cuillère a la taille idéale. J'ai fait la même chose avec les autres couleurs. Il ne faut pas que cela se touche. Maintenant, j'attends que ça fasse des bulles. Ça voudra dire que c'est cuit. Ça m'a l'air pas mal. C'est le moment de les retourner. Ça sent bon. Une délicieuse pile de pancakes arc-en-ciel. Quel parfum délicat. Bravo, ils ont l'air excellents. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh mince, le défi. Attends de les avoir goûtés. C'est bidon. Attendez de voir ça. Je prends un bol de farine. Et beaucoup d'œufs. J'espère que ça va le faire. J'ai toujours un peu peur avec les œufs. Pas de retour possible. Je casse les œufs dans la farine. Au moins, cette fois, il n'y a pas de coquille. Ensuite, je mélange. Je pensais que ce serait plus facile. Mais c'est assez relaxant. Hein? C'est pas ce qui était prévu. Il faut que je retire ça. C'est carrément génial! Après ça, je le mets dans la poêle. J'attends qu'il soit bien doré. Puis je le retire. Attention à ne pas se brûler. Je suis assez content de moi. C'est un génie de la cuisine. Il sait vraiment tout faire. Il m'adore. Ouh, je veux dire, merci. Bien joué, mais ce n'est pas toi qui décide qui gagne. Waouh, deux assiettes avec des plats comestibles. Je vais commencer par les pancakes. Délicieux. Merci, mon cher. Ma main a coupé que c'est bon. Waouh, j'en redemande. C'est un régal. Tu as gagné. Ouais, je le savais. Vous plaisantez? Allez, Liam. Très bien, on remet ça encore une fois. C'est l'heure du quatrième tour. La pression commence à monter. Ça devient difficile, mais j'ai ce qu'il faut. Je suis sûre de l'avoir quelque part. Le voici. Un panier de fruits frais. Qu'est-ce que je vais prendre? Le kiwi, ça fait toujours son petit effet. Je vais le nettoyer un peu. Oh, quelle haleine! J'ai oublié de me laver les dents ce matin. Bien, allons-y! Je commence par peler le kiwi. Puis, je le coupe en tranches. Ensuite, je dispose les tranches sur une pique en bois. Je les enfile par le centre.
Maintenant, la suite. J'ai mis des morceaux de sucre dans une poêle. J'attends que le sucre fonde, puis j'y trempe la tranche de kiwi. Après ça, je le retourne pour immerger l'autre côté. Enfin, j'attends que ça refroidisse. Une délicieuse sucette aux fruits. Regardez-moi cette merveille. Pas aussi merveilleux que toi. Bien joué. Oh, merci les garçons. C'est super malin. Attends, j'ai une idée. Il me faut juste un truc. Ah, je l'ai. J'ai bien fait de garder ce bonbon. Hein? Attends. Quoi? Ça pourrait être utile. Je vais le garder pour plus tard. Mais pour le moment, j'ai besoin de bonbons. Préparez-vous à en prendre plein la vue. Regarde ce que tu fais. C'est la revanche pour le rouleau à pâtisserie. Maintenant, je dois faire fondre les bonbons. J'ai toujours un sèche-cheveux sur moi. C'est pour ça que mes cheveux sont si beaux. Ça marche. Du caramel. On passe à la suite. Je prends une paille. Je la trempe dans le caramel. Il faut que l'extrémité soit recouverte. C'est prêt. Je vais souffler dans la paille. Et ça fait des bulles de caramel. C'est génial. Il a raison, ça l'est. Comment? C'est tout ce que tu as? Ma sucette est mieux. C'est pas aussi impressionnant que ce que j'imaginais. Quelle sucette originale! Ce doit être mon jour de chance. Je vais d'abord goûter celui de Liam. Un peu décevant. J'espérais vraiment que ça marcherait. Maintenant, les fruits confits de grand-mère. Waouh, grand-mère l'emporte! Ouais, je le savais! Je savais qu'elle n'allait pas nous décevoir! Bon, et maintenant? Regarde, c'est l'argent! Oh, il y en a beaucoup! Je vais acheter plein de trucs cool! Je vais acheter un skateboard! J'adore le chocolat! J'adore le chocolat! Non, non! Donne-moi ça! Pas de cochonnerie pour le petit déjeuner! Beurk! Dégueu! Je n'en veux pas! Beurk! Et un bonbon, ça te dit? Ce sont les meilleurs! Qu'est-ce que tu fais? Range-moi ça! Je n'en veux pas! Tu vois, elle préfère mes bonbons! Non, je n'en veux pas non plus! Allez, mange, mange! J'ai dit non! Allez-vous-en! Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait bien que nous avons un nouveau défi. C'est parti! Oui, une barre chocolatée. Yam, j'adore ça. Du chocolat? Bah, je devrais commencer puisque je suis la plus âgée. Merci bien. Voyons cela. Oh, une pâte à tartiner au chocolat. Yam! Je ferais mieux de l'ouvrir et de la goûter pour être sûre qu'elle est bonne. Heureusement que j'ai une cuillère. Comme ça, ça devrait aller. Délicieux. Oh, je pense que je peux faire une petite exception et en reprendre un peu. Comme ça, c'est parfait. Miam, miam, miam. Waouh, grand-mère, ça a l'air vachement bon. Voyons ce que j'ai. Oh, une tablette de chocolat. Je pourrais peut-être... Non. Et si je... Non plus. C'est tellement bon. Oh non. Mais où est passé le reste? Oh mince, je ne peux pas croire qu'il n'y en ait plus. Merci beaucoup. C'est exactement ce qu'il me fallait. Une petite seconde. J'ai une idée. Je vais le verser dans le pot. On le remplit doucement. Et voilà, il est plein de lait. Bien, je remets le couvercle sur le pot. Très bien. Et maintenant, on le bouge un peu. Ouh, que c'est entraînant. Ça me permet aussi de faire un peu d'exercice. Bien, une fois qu'on a bien secoué, on ouvre pour voir le résultat. À présent, je vais y ajouter un peu de crème fouettée. Ce sera encore meilleur. Oh, regardez cette appétissante crème fouettée. Encore un peu. Ça a l'air tellement bon. Et voilà. Comme ça, ce sera parfait. Quelques vermicelles. Il n'y a jamais trop de vermicelles. Je vais juste en ajouter un peu sur la crème fouettée. Pas trop non plus. Juste une pincée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, c'est l'heure de ma sieste. Hey, cela me donne une idée. J'attrape mon fidèle sèche-cheveux. Et je fais fondre le chocolat. Haha, c'est tout mou. Maintenant, j'attrape des ciseaux et je coupe un angle pour le faire couler. Ensuite, je fais couler le chocolat par l'ouverture que je viens de faire. Oui, regardez tout ce délicieux chocolat. Trop bien. Encore un petit peu et voilà. Ben, ça n'a pas l'air très appétissant. Maintenant, j'échange avec celui de grand-mère. Comme ça, j'ai le meilleur goûter et elle le pire. Grand-mère! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Miam, ça a l'air délicieux. Tiens, j'ai une paille. Miam, c'est vraiment incroyable. Merci, grand frère. Grand frère? Comment ça? C'est moi qui l'ai fait. Beurk, qu'est-ce que c'est? C'est du caca?
Hein? Ça sent le chocolat? Ah, c'est du chocolat! Miam! C'est succulent! J'adore! Vous avez gagné tous les deux! Bon, eh bien, tout est bien qui finit bien! Maintenant, je veux des chips croustillantes et dorées! Waouh! Quelle bonne idée! J'ai hâte! Voyons ce qu'il y a là-dessous! Waouh! Génial! Une tortilla! Je suis certain que ça va marcher! Je la mets sur une plaque avec du papier de cuisson et j'ajoute un peu d'huile. Je verse un filet d'huile d'olive sur la tortilla. Il faut aussi que je l'assaisonne. Un peu de poivre fera l'affaire. Voilà, ça devrait suffire. Et maintenant, on enfourne. Pfiou ! Hé, qu'est-ce qui se passe ? Oh mince ! J'ai été distraite par mon tricot. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai ? Oh, une patate du jardin ! Que c'est original ! Il est temps de la découper pour en faire des chips. Et voilà, ma pomme de terre est coupée en tranches et prête à être transformée en chips. Elles ont la taille idéale pour le grille-pain. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elles soient cuites. Hein? Qu'est-ce que ça sent? C'est de la fumée? Oh, je la sens aussi! Ah! Oh non, ma tortilla! Tu ferais mieux de te dépêcher, j'ai tellement hâte que ma pomme de terre soit cuite. Ah, ça y est, je vais les attraper. Génial! Ouille! Aïe! Aïe! Ouille! Chérie, attrape! Aïe! Grand-mère, c'est trop chaud! J'attrape dans ma bouche! Miam! Elles sont délicieuses, grand-mère! J'adore! Oh, je suis ravie que tu les aimes! Oh non, ma tortilla est complètement brûlée! Burk! Grand-mère a gagné! Ouais, c'est sûr, ce truc pue tellement! Maintenant, je veux des œufs! J'adore ça! Grand-mère, me permettez-vous de commencer? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Ce sont des œufs, bien sûr. Grand-mère, pourrais-je vous emprunter une poêle? Mais bien sûr, j'en ai toujours une sur moi, au cas où. Merci. Maintenant, il faut que je trouve une idée. J'ai 3 œufs et une poêle à frire. Je vais bien trouver quelque chose. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire de tout ça. Et si je faisais comme ça? Ah, il réfléchit beaucoup trop. Voyons ce que j'ai. Incroyable! On dirait que j'ai moi aussi 3 œufs. Parfait! Je sais exactement ce que je vais en faire. Je vais d'abord faire bouillir de l'eau. Je ne comprends rien du tout. Et voilà! Ensuite, j'ai besoin d'un réveil et d'un maillet. Il est temps de prendre notre revanche sur ce maudit réveil. J'ai besoin du ressort. Et voilà, un joli petit ressort. C'est exactement ce que je cherchais. Maintenant, je vais m'en servir pour mes œufs durs. Je vais les découper avec, comme ça, tout doucement. Et voilà, mes œufs sont coupés parfaitement au milieu. Maintenant, je redécoupe chaque moitié en 2. Comme ça, ces formes sont si mignonnes. J'adore! J'ajoute un peu de paprika et des graines de sésame pour la couleur. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec les restes? Ah, je sais! Waouh! Celui-ci a complètement explosé. Maintenant, les autres. Ouais! Je vais y mettre un peu de sauce piquante. J'ai une petite soif, je vais en prendre un peu. Ah, ça va mieux. Ah, c'est chaud, ça pique. Ouf, pfiou. C'était vraiment chaud. Mes œufs sont parfaitement cuits. Oh, mon poussin, comment dire? Je suis sûre que ce sera très bon. Oui, des œufs. C'est ce que je préfère au petit déjeuner. Je vais commencer par goûter cela. Miam, trop bon. Oui, elle les aime. Bien, maintenant, goûtons les autres, ma fourchette. J'adore les œufs au plat. Mais attendez une seconde. Burk, ils sont pleins de coquilles. Grand-mère gagne encore. Ces œufs ne sont pas dangereux. À présent, je veux des bulles. C'est rigolo. Grand-mère, regarde. Qu'est-ce que c'est? Yes, il est temps de découvrir mon ingrédient. Mais qu'est-ce que c'est? Comment je vais faire des bulles avec ça? J'adore le thé bien chaud le matin, surtout à la paille. Le thé, c'est succulent. Ah, ça me donne une idée. Je vais à nouveau me servir de mon sèche-cheveux. Je vais faire fondre ces bonbons. Ah, c'était désaltérant et délicieux. Très bien, je devrais voir ce qui se cache là-dessous. Oh, waouh, on dirait un énorme tas de chewing-gum. J'aime bien mâcher du chewing-gum de temps en temps. Je vais essayer de faire une bulle. Pas terrible. Je pense que je vais avoir besoin de plus de chewing-gum pour faire des bulles. Bien, je vais réessayer d'en faire une. Oh, elle a explosé. C'est marrant tout de même. Bon, je crois que j'ai besoin de plus de chewing-gum encore. Allez, hop! Je vais faire la plus grosse bulle qu'on ait jamais vue. En avant les bulles! La la la, j'ai fait fondre les bonbons. Oh là là, ça alors, je m'envole. Hein? Où va grand-mère? Waouh, elle est vraiment très haut. Bye bye, grand-mère. Bien, maintenant tous mes bonbons sont fondus. Pour la prochaine étape, il me faut une paille. Je fais placer le bout de la paille dans les bonbons fondus. Il faut qu'il en reste un peu au bout de ma paille. Et maintenant, je vais essayer de faire des bulles. Oui, ça fonctionne! Oh, elle a explosé! Génial! Le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut les manger!
Waouh! Oh là là, quelle drôle d'aventure! Grand-mère, tu es tombée de sacrément haut! C'était légèrement angoissant. Super! C'est l'heure des bulles! Où sont les bulles? Pour grand-mère, je ne sais pas, mais tu peux essayer les miennes! Parfait! J'ai justement une paille! Je souffle! Waouh! J'ai fait une bulle! C'est génial! J'adore les bulles et maintenant je peux même la manger! Miam! C'est trop bon! C'est ce que je préfère! Tu as gagné! Oui, enfin! Bravo, grand-mère! Tu as gagné! Oh non! Je suis tellement déçue de ne pas avoir gagné! Je suis ravie que tu aies aimé ma cuisine! Grand-mère, je t'ai acheté des fleurs pour te féliciter pour cette victoire! Oh, tu es un adorable petit-fils! Hein? Salut, mamie! David! Mon chéri, que tu es beau! Attends, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Non! C'est vide! C'est une vraie honte, David! Pardonne-moi! Waouh! Pas besoin d'en faire tout un plat! Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout! Goûte! Devine ce que c'est? D'accord... je sens du fromage et des herbes! C'est de la pizza! Ok, je passe au suivant! Oh, il y a de la mâche! C'est facile, c'est un œuf! 2 sur 2! Et ça? J'aime bien! Je dirais des frites! C'est... Oups! Fais comme si tu n'avais rien vu! But! Ouais! Quel match! C'est quoi tout ce bruit? La vieille dame que je suis ne peut-elle pas se reposer un peu? Wouh! Allez! Allez! Ouais! Ça suffit! Je descends tout de suite pour arrêter ce vacarme! Du foot! Comment j'ai pu ne pas y penser avant? David! Doucement! Oh, pardon, mamie! Je vais faire moins de bruit! Oui, s'il te plaît! Je suis trop vieille pour tout ça! Fais la passe! Il est tout seul! But! Wouhou! C'est pas vrai! Je l'ai prévenu! Il n'y a qu'une seule solution! C'est parti! Ouf! Le match n'est pas fini! Quitte à pouvoir ne pas l'en empêcher, autant se joindre à lui! Mamie, tu aimes le foot? Oh oui! Allez! J'ai une meilleure idée. Regarde ce que j'ai. Trop bien! Fais voir! Waouh, c'est trop bien! Mes deux trucs préférés, les bonbons et le foot. Il ne fait pas attention, c'est le moment ou jamais. Pfiou, il n'a rien vu. Doucement. C'est incroyable! Ça a l'air trop drôle! J'ai hâte de l'essayer! Allez, c'est parti! Je vais appuyer sur ce bouton et le bonbon tombe de la boule! Le joueur se prépare pour le tir! Et but! Et la foule est en délire! C'est trop bon! Wouh! Mais attends! Où est mon ordi? Mamie aussi a disparu! C'est très bizarre! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que j'ai bien dormi? À quoi je ressemble? Oh, j'ai connu mieux! Bon, par quoi je commence? Ah, mes dents! Il faut que je fasse disparaître cette haleine du matin. Pas facile! Pourquoi est-ce que tout est flou? Ça ne va pas le faire. J'étais sûre d'avoir mes lunettes. Où est-ce qu'elles sont passées? Elles ne doivent pas être bien loin. Et au pire, qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Ce n'est pas du dentifrice. Doucement, j'y suis presque. Je crois que c'est bon. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Tu veux de l'aide? Il y a du dentifrice partout. Tu sais que c'est censé aller à la brosse à dents, hein? Arrête! J'ai un truc qui pourrait t'aider. Ça va résoudre tous tes problèmes de dentifrice. Donne-moi ça. Le dentifrice va là-dedans. Je le visse pour qu'il tienne bien. Et voilà, prêt à être utilisé. Appuie la brosse à dents contre le bouton poussoir et tu obtiens pile la bonne quantité de dentifrice, sans en mettre partout. Waouh, c'est donc ça de vivre dans le futur. Attends, ce sont mes lunettes là? Comment elles ont atterri là-haut? C'est mieux. On a frôlé la catastrophe. Bon allez, assez dents maintenant. Ouais, je vais te laisser. Oh, j'ai entendu parler de cette chaîne. Eh bé, c'est passionnant. Oh, il y a quelque chose qui arrive. Oh!
fait du bien. Waouh, qu'est-ce que j'ai mangé hier déjà? Je crois que c'est bon. Cette fois, je n'oublie pas de tirer la chasse d'eau. Hein? Il ne s'est rien passé. La cuvette devrait déjà être vide, là. Je crois que les toilettes sont cassées. Ça ne sent pas bon. Il faut que j'en commande de nouveau. Heureusement que je peux tout faire à partir de ce fameux pad magique. Qu'est-ce qu'on a là? Non. Ah ah, c'est ça. Oh, c'était rapide. J'arrive tout de suite. J'ai un colis pour vous. Vous êtes sûr que c'est pour moi? C'est petit. Il doit y avoir une erreur. Waouh, pas si vite. C'est pour vous. Vous pouvez me croire. C'est bizarre. Où est le reste? Ce n'est pas possible. Je n'ai rien commandé d'aussi petit. Oh, c'est une blague! Ça, ce sont mes nouvelles toilettes! Je ne peux pas faire caca là-dedans! Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas du tout! C'est une blague! Hein? Oh, je n'ai plus de chips! Elles étaient bien bonnes! Oh, c'est trop nul! Qu'est-ce qui embête mamie, en fait? Waouh, ils sont trop cool! J'ai l'impression d'être un géant. Et en plus, il y a un bonbon à l'intérieur. C'est pile ce qu'il me faut. Une bonne sucette. Elle est trop bonne. Et ce n'est pas tout. Si je soulève la lunette des toilettes, il y a une poudre acidulée. Je vais en recouvrir la sucette. Oh là là, c'est magnifique. Et c'est incroyablement bon. Où est ce colis? Oh, David, c'est dégoûtant. Les jeunes de nos jours, je ne les comprendrai jamais. En tout cas, si tu manges des toilettes, brosse-toi bien les dents après. D'accord. Ce bol ne va pas convenir. Il est trop petit. Ah, ça, c'est mieux. Parfait pour le petit déjeuner de David. C'est le repas le plus important de la journée. Il adore les céréales. David, le petit déjeuner est prêt. C'est le bon timing. Merci, mamie. J'ai trop faim. À manger, à manger. Je verse juste le lait. On peut aller un peu plus vite. Non, mais franchement, c'est quoi ce délire? Je m'ennuie à mourir. David, ce garçon ne fait que dormir. Debout, debout. Allez, mange-moi ça. Merci, mamie. Burk, c'est tout mou. Pas du tout appétissant. Désolée, mamie, mais je ne peux pas manger ça. Ah bon? Alors qu'est-ce que je fais maintenant? C'est bon, j'ai ce qu'il te faut. Cette pompe. Ça va permettre d'aller plus vite. Je vais mettre des piles. Comme ça, on va pouvoir tester. C'est presque bon. J'ai besoin du lait. D'abord, je vais enlever le bouchon. Et je fais entrer la pompe à l'intérieur. Ça fait pile la taille du goulot de la bouteille. Ça m'a l'air bien en place. Et quand j'appuie sur le bouton avec le bol, le lait sort. Fini les céréales toutes molles. T'as vu? Impressionnant, non? Waouh! C'est trop bon! J'ai l'impression de traire une vache. Je me demande si je peux l'utiliser sur d'autres bouteilles. Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien avoir un verre de jus de fruits le matin. On va voir. Oh, ça fonctionne! Du bon jus de tomate. C'est vrai que ça va bien plus vite comme ça. Tu en veux un verre? Non, merci. Jamais de la vie. Tu ne sais pas ce que tu rates. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Ce monde est cruel. Elle m'a brisé le cœur. Pourquoi, Lizzie? Pourquoi? Je ne peux même plus la regarder. Oh, je ne mérite pas d'être heureux. Ça mérite d'aller à la poubelle. Au moins, ce bonbon ne va pas me décevoir. C'est tout ce qu'il me reste. J'espère que le sucre va remplir le trou que Lizzie a laissé dans mon cœur. J'en doute. Il est comme ça depuis ce matin. Ça fait beaucoup de bonbons. Il ne peut pas manger tout ça, si? Son dentiste ne va pas être content. Attends, regarde-moi ça. Ça va peut-être remonter le moral de David. Je vais appeler. Allô? Je veux un de ces distributeurs de bonbons. Il n'y a pas assez de bonbons dans ce monde pour réparer mon cœur brisé. Pourquoi, Lizzie? Pourquoi? Plus qu'à attendre maintenant. Vraiment, les livraisons sont extra rapides de nos jours. Je reviens tout de suite, chérie. Oui? Oh,
merci. David, j'ai quelque chose pour toi. Avec ça, tu oublieras complètement cette Lizzie ou Dieu sait comment elle s'appelle. Tiens! Hein? C'est pour moi? C'est quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Tu vas trouver tout seul. Et pendant ce temps-là, je vais te prendre tous tes bonbons. J'espère que ça va rentrer dans mon sac quand même. J'ai tout. Non, attends. Tu as pris mes bonbons? Rendez-moi ça, vieille dame. Il faut que j'y aille. Et le reste? Je comprends pourquoi elle a des fausses dents. Voyons voir. Je vais remplir ce truc de bonbons. Comme ça. Et je tente. Ah, j'ai compris. Il faut que je le fasse tomber dans le trou. Ouais, j'ai gagné un bonbon. Oh, il joue avec. Et moi, je peux manger ses bonbons. Pas mal. Bonjour, chérie. Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai quelque chose pour toi, Betty. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai quelque chose pour Tina là-dedans. Quelle ambiance! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, tu veux la jouer comme ça, hein? Quelle tension! Ça suffit, arrêtez! Il n'y a qu'une chose à faire. Hé, viens ici. Tu sais ce que tu dois faire. C'est l'heure des défis. Je suis prête. Regardez, c'est votre premier défi. Des pop-corn. D'accord. Ça devrait être facile. Une chauve-souris toute fraîche. J'ai cueilli ses feuilles ce matin. Et bien sûr, il faut du chocolat. Regardez-moi ça. Et enfin, des grains de maïs. Faut pas les oublier. Maintenant, un peu de magie. Oh, esprit, je vous ordonne de souffler ce maïs. Toute cette énergie, c'est magnifique. Bibiti, bobiti, abracadabra. Pas mal du tout. Aïe, mais qu'est-ce que... Faut que je les attrape. Mon gobelet est tout prêt. Qu'est-ce que je m'amuse. Tiens, elle a réussi. Ça devrait suffire. Ça a l'air délicieux. Bien joué. À ton tour. Tu vas y arriver, mamie. Psst, hey. Je peux t'aider? Moi? Comment? Hé, hey, toi, la main. J'ai besoin de ton aide. Donne ces bonbons à mamie. Je compte sur toi. Ne me déçois pas. Hein? Oh, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Merci, petite main. Ce goût de chauve-souris, mais qu'est-ce que... Tu m'as trahi! Je vais te réduire en purée! Eh ben, elle se met vite en colère. Bon, j'ai une idée. Je vais mettre un peu d'huile dans la poêle. Et puis j'ajoute les grains de maïs et les bonbons. Et je n'ai qu'à attendre que ça chauffe. Je vais mettre le couvercle pour que ça aille plus vite. Les grains éclatent! Et les bonbons fondent et les colorent. Ça devrait suffire. Voilà, quelle belle couleur. J'ai fini. Je n'ai jamais vu de si beaux pop-corn. Dégoûtant. Les miens sont bien meilleurs. Ma mamie a fait des merveilles. Il faut qu'elle gagne. D'accord. C'est toi qui as gagné, mamie. Oh, moi, merci. Vous avez bien mauvais goût. Ça croque sous la dent. Et maintenant? Ça a l'air bien. Chut! Pourquoi pas ça? Tu me tapes sur les nerfs. Celui-là! Votre défi suivant, du pain. Pas de problème pour moi! Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça sonne! Allô? Mais qui est-ce qu'elle appelle? Parfait! Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai plus qu'à attendre. Tiens, c'est allé vite. Hein? Ah oui, tenez. Gardez la monnaie. Quel gentil garçon. Voyons ce que j'ai là. Mais elle triche. Eh ben, si c'est comme ça. Allô? Vous m'entendez? Je voudrais passer une commande. Waouh, quelle rapidité. Merci.
Merci, mon gars. Encore là, hein? Top là, voilà. On se voit plus tard. Tu n'abandonnes jamais. D'accord, voilà. Ça devrait faire le compte. Quel voleur tu fais? Tu devrais porter un masque. Une bonne journée de travail. Voyons ce que j'ai gagné. Hein? Du charbon? Elle m'a pris pour un idiot. Hé, la vieille! Hé, toi! Tu veux voir quelque chose de cool? Ça marche à chaque fois. Mais c'est du vol! Il n'y a pas de mal. Oh oh, il est revenu? Salut, fiston! Attends, on peut discuter. Tu vas le regretter. Je me vengerai. Je ne veux pas être mêlée à ça. Il faut que je m'occupe de mon plat. Je vais mettre un chamallow entre deux tranches de pain. Et maintenant, je découpe un cercle avec un verre. Juste comme ça. Je plonge ensuite le pain dans l'huile bouillante. Il faut que ça soit bien doré. Croquant sur le dessus, fondant à l'intérieur. Je crois que c'est assez réussi. Quel ennui! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je peux peut-être utiliser ces restes. J'ai une idée. Je vais rouler le pain en spirale. Ça va faire comme un escargot. J'ajoute un bâtonnet pour que ça tienne bien. Ensuite, je plonge le tout dans le beurre. Il faut que ça soit entièrement recouvert. Et puis, je la mets dans le sucre. Voilà un goûter délicieux. Presque aussi exquis que moi. Qu'est-ce que tu en dis, Betty? Je suis complètement indifférente. Moi, je crois que ma mamie devrait gagner. Oh, comme c'est gentil! Pas de chance! Bravo, contente pour toi. Je me demande quel est le défi suivant. Je n'ai aucune idée. Oh, une pomme! Faites quelque chose avec ça. Quelle bonne idée! Il faut que je me prépare. Oh, je suis toute mignonne. J'adore le jardinage. J'ai la main verte. C'est tellement relaxant. Je vais planter cette graine. Et voilà! Il faut bien l'enfoncer. J'espère que tu as soif. Je t'ai apporté de l'eau. Tiens! Ça devrait suffire. Maintenant, je laisse pousser. Oh, c'est pas très rapide. Il ne se passe rien. Non. Rien? Hein? Je suis réveillée. Quel malheur! Allez! Voilà une vraie plante! Impressionnante, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça? Wow! Je m'en sers pour attirer les princesses. À moi, toutes ces belles pommes! Aïe! Bien fait pour elles! Voilà ce qu'il me faut! Et maintenant, au travail! Je place la pomme sur l'appareil. Et c'est magique! Pas besoin de s'embêter à appeler. Je peux me détendre en attendant. Et voilà! Mais je n'ai pas terminé. Il faut préparer la pomme. Je vais utiliser une petite cuillère. Il faut bien creuser. Ensuite, je mets des bonbons dans le trou. Et je passe à l'étape suivante. Voilà une feuille de pâte. Je vais en faire des bandes. Parfait! Maintenant, je vais recouvrir ma pomme avec. Il faut les poser par couches, comme ça. Et je n'ai plus qu'à la mettre au four. Il faut que ça soit bien doré. Ça a l'air délicieux. Vous allez vous régaler. Tu peux pas faire mieux. Mais où a-t-elle appris à faire ça? Il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas quoi faire. Je vais perdre ce défi. Sa petite recette est insurpassable. Aïe! Mais attendez, j'ai une petite idée et une bosse sur la tête. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Un beignet? Je crois savoir quoi faire. Je vais d'abord couper la pomme en tranches. Et puis je la nettoie comme ça. Voilà une belle rondelle de pomme. J'enfonce un petit bâtonnet et je la plonge dans la pâte. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais la faire frire. Regardez un peu ces jolies bulles. Il faut que la pâte soit bien cuite. Ça doit être croustillant. Ensuite, je plonge le tout dans du chocolat fondu. Ça a l'air délicieux. Tout le monde adore le chocolat. Et pour finir, la garniture. Et voilà des beignets à la pomme. En plus, ils sont jolis. Quelle délicieuse odeur. C'est dégoûtant. Bien joué, mamie. Bravo, tu gagnes. Ah, t'as entendu ça? J'ai gagné. Youpi!
Regarde ça! On est vraiment différentes, mais d'accord. Pour le défi suivant, des saucisses. Délicieux! Qu'est-ce qu'elle mijote? Mon joli seau est un puits de ressources. Tiens, je l'avais oublié, celui-là. Un fidèle ami. Et regardez-moi toutes ces plumes. Attention, j'ai des allergies. Je vais me concentrer sur ma recette. J'ai un panier plein de bonnes choses, voyons. Voilà. Oh non, ma laine. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Tiens, je crois que je viens d'avoir une idée. Elle va voir de quoi je suis capable. Ça va lui faire une belle surprise. Je croyais que je t'avais perdu. Mais c'est un serpent! Surprise! Oh, quelle méchanceté! Reprends ça! Oh! Où suis-je? C'était qu'une pelote. Prends-moi ça! Ça y est! Je sais! Je vais mettre une saucisse sur la poêle et planter des spaghettis dedans. Il faut bien enfoncer les pattes. La saucisse doit se trouver au milieu. Ensuite, je mets le tout dans de l'eau bouillante et j'attends que ça cuise. Ça devrait suffire. Et voilà une belle assiette pour le dîner. Ça a l'air bon. Oh, tu te crois génial avec tes pattes? Tu vas voir ce que tu vas voir. Mais arrête! C'est pitoyable. Ça va là-dedans? Voilà! Je l'ai trouvé. Je savais qu'il y avait une saucisse tout au fond. Tu dois être très fière. Je vais planter un petit bout de pâte dans la saucisse et puis ajouter du maïs. Je répète l'opération sur toute la saucisse. Il faut qu'elle soit entièrement recouverte. Ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Et maintenant le pain. Je l'ouvre comme ça et je place la saucisse à l'intérieur. Et j'ajoute de la sauce. J'aime bien quand ça pique un peu. Plus c'est épicé, mieux c'est. Un vrai régal. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous laisse juger. Ma grand-mère l'emporte. Je suis d'accord. Super, j'ai encore gagné. Je sens qu'on chauffe. Regarde-moi ça. Tout ça, rien que pour nous. Ça a l'air excellent. Pas si vite. Ce ne sont pas des sucreries. Mais c'est sain. Trop nul. On arrête les sucreries, d'accord? C'est ce qu'elle croit. Hé! Quoi? Regarde! En bas! Bon, pourquoi je m'embête? Regarde ça! Oh, pas mal! Et j'ai la pâte à tartiner! Incroyable! Et comment on fait pour maman? Il ne faut pas qu'elle voie ça! Je gère. Salut, chérie! Oula! Danse avec moi! Waouh! Papa est tellement gracieux! Bon, c'est le moment où jamais. Je vais prendre une banane. Et je la mets ici. Allô? Je vais insérer le tube de l'autre côté. Et je tourne. Comme ça, j'enlève le cœur de la banane. Comme ça. Tu le veux? Bon, j'aurais proposé. Une paille de banane. Miam! Et maintenant, je remplis la banane. Je vais mettre la pâte à tartiner dans ce compartiment. Comme ça. Et j'appuie sur la poignée. J'enlève la banane. Et la voilà fourrée au chocolat. Je n'ai plus qu'à enlever la peau. Ça a l'air délicieux. Je ne peux jamais résister à tes belles courues. J'ai l'impression d'avoir 15 ans à nouveau. C'est bien de manger une banane, ma chérie. Ça a marché. Regarde par toi-même. Waouh! Merci, ma fille. Ça valait le coup de tout donner sur ma danse. Oh, c'est trop bien. Je ne peux pas quitter l'écran des yeux. Oh, on a fini tout le pop-corn. Ne t'inquiète pas, chérie, je m'en occupe. Ne bouge pas. Je vais mettre le maïs dans une poêle et faire chauffer. J'espère que tu aimes quand ça croustille. Et qu'il y a un petit goût de brûlé. Bon, direction la poubelle. Je réessaye. Je pense que ça va marcher. C'est bientôt prêt. Je suis prête. Ça aurait pu mal tourner. Mais on a du pop-corn, tu vois? Oui, bien joué. Voilà ce qu'il nous faut. Je vais mettre le maïs dans la machine à pop-corn. Comme ça. Je remets le couvercle. Et c'est parti!
Oh, il se passe quelque chose. Waouh, ça fait du pop-corn. Plein de pop-corn. C'est beaucoup plus simple comme ça, non? Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Je devrais me préparer. Je vais d'abord me brosser les dents. Oh, mamie a encore fini le dentifrice. Heureusement qu'il y en a un autre tube. Et maintenant, plus qu'à attendre. Je vais l'attendre pour la prendre sur le fait. La baignoire et la cachette, parfaite. Mais je dois pas faire de bruit. Je crois que je l'entends. Oh, j'ai très mauvaise haleine. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? C'est parti! Je ferais mieux de me laver les dents. Elle marche tellement lentement. Je vais m'occuper en attendant. J'y suis presque. Plus que quelques pas. Ah, enfin! Je vais bien frotter tout ça. Alors, où est le dentifrice? Ah ah! J'appuie un tout petit peu. Un peu plus. Ahem. On m'a eu? Enfin, oui, ma chérie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donne-moi le dentifrice. Tu devrais utiliser ce distributeur. Je mets le dentifrice sur le dessus et je le colle au mur. Il suffit d'appuyer pour obtenir pile la bonne dose de dentifrice. Tu vois? Oh, c'est bien pratique, ça.